Bonjour les Minecraftiens, ici c'est CelBT35 pour une nouvelle annonce ce mois-ci. Pas mal de petites choses à dire, un petit peu moins que dans la méga-annonce, mais la fameuse méga-annonce dont vous vous souvenez probablement. Mais deux trois petits trucs quand même intéressants à vous signaler. Ces derniers jours, la chaîne a grimpé en flèche. Mais vraiment quoi. Par exemple, je vais vous intégrer un screenshot du WizTracker. Mais il y a un gros pic de vues et d'abonnements et aussi de pouces rouges, mais bon ça je crois savoir pourquoi la vidéo du 1er avril. Hein. Mais comment dire ça, on a passé les 10 000 vues sur la chaîne, 10 000 vues totales. Et ça fait vraiment vraiment plaisir, c'est très encourageant. Et surtout grâce à la vidéo que j'ai faite sur les command blocks en réponse à iPlay4U et cette vidéo 1er avril. Et quelques autres petites choses comme ça, éparpillées, qui ont permis la montée en puissance de la chaîne pour nous amener ici à 143 abonnés. Clairement, ce n'est pas fini et je suis impatient de voir ce que ça va donner par la suite. Je me disais deux trucs. C'est que déjà d'une, on a lancé des lives sur la chaîne, des lives qui me plaisent vraiment et en plus maintenant j'ai un très bon, enfin un relativement bon débit pour le faire, donc ça fait plaisir. Par contre, les rediffs déconnent un petit peu, donc je garde pour archive, mais le son est vraiment pas cool. Autrement dit, il y a une partie qui toujours les mots sont partiellement coupés à chaque fois, ce qui est vraiment pénible pour le visionnage. Donc je les garde en tant qu'archive, mais à partir de maintenant ce sera du non répertorié, ce sera rangé dans une playlist sur la chaîne qui sera référencée quand même en arrivant sur la chaîne, on pourra les voir. En tout cas, le mieux c'est d'être là au moment où ils sont annoncés. Généralement je les annonce pas trop en fait, donc je les annonce sur Twitter forcément. Je les annoncerai probablement sur Skype aussi. Ah merde. Désolé. Et on s'amuse vraiment merveilleusement bien, et puis ça permet aussi aux abonnés de jouer. Donc j'espère vraiment que vous aurez l'occasion de venir voir la MC4 en live. C'est sur YouTube, ce sera référencé, vous verrez un bouton rouge à côté de l'icône de chaîne quand vous vous baladerez dans vos abonnements dès qu'on se mettra à streamer. Tiens d'ailleurs, en fait j'ai changé de micro, vous l'avez remarqué sans doute. Et ce micro-là, je l'ai acheté à Frosty29 en fait, membre de la team qui n'a pas encore son compte premium Minecraft et qui a pas de connexion depuis quelques temps. Bon bref, changeons de sujet, parlons maintenant de la chaîne CLB35. C'est une chaîne que je gère depuis l'été dernier et qui n'a pas tellement de pics de vues, c'est une trentaine d'abonnés pour l'instant dessus. Ça me dérange pas, je voulais vraiment pas miser sur les vues pour cette chaîne-là, juste pour tester des concepts sur des petits let's play posés. Bon, les let's play maintenant, je pense que je les ferai en live. Les let's play, soit je ne les ferai pas, soit je les ferai en live sur la MC4. Enfin, pas sur la MC4, du coup, sur cette chaîne-là. Mais en mettant en le référençant sur la MC4 quand même. Je trouverai le moyen de faire ça. Après, peut-être, j'y réfléchirai. Mais en tout cas, si je refais des streams, ce sera probablement. Ouais, non, je pense que je streamerai sur la MC4, mais que je filmerai en même temps et que je reposterai sur la chaîne CLB35. Vous m'avez compris. Donc, comment dire? Voilà, et sinon pour la chaîne CLB35, je pense que je vais laisser tomber le principe alterné let's play et vidéo update. Les vidéos update, je pense que je les conserverai, mais qu'elles seront absolument irrégulières et qu'elles parleront absolument pas de la même chose. Des critiques de jeu toujours, des news de la chaîne forcément, de la chaîne CLB35. Et par contre, je me concentrerai un petit peu plus, genre quand j'ai des petites idées de projet, de petits trucs, de petits concepts sympas à creuser. Je pense que sur la chaîne CLB35, il y aura pas mal de petits formats que j'essaierai qui tourneront autour de Doctor Who, parce que Doctor Who c'est une série vraiment que j'adore. Donc voilà. Et aussi à propos des command blocks, ça je pense en faire aussi des vidéos. Je prépare des vidéos plus montées sur les command blocks pour la chaîne MC4 Team. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Donc j'ai mon pack de textures 3D, le lien est dans la description. Apparemment il est cassé, vous me le dites en commentaire si jamais vous avez un problème pour télécharger. Et j'essaierai de vous remettre le lien pour l'avenir. Donc j'ai ici tout ce qu'il faut avoir sur ce ressource pack 3D et tout ce qui les principaux changements de blocs. Et c'est vraiment un truc que j'adore, ce pack je l'adore. Et ça permet de donner un petit peu de dynamisme au pack par défaut que j'utilise désormais depuis quelques temps.
Donc voilà, donc pour résumer, des petits changements sur la chaîne CLB35 où les let's play je les ferai en live ou je ne les ferai pas, ou je ne les ferai pas, des concentrations sur les petits projets, les petits concepts qui me viendraient à l'esprit, comme c'était prévu à la base au final, et un petit peu de rétro gaming aussi je pense, du rétro gaming en live, autre chose, je pense que la plupart des vidéos de la chaîne CLB35 seront des lives de la MCK Team rediffusés. Mais rediffusé bien en filmant et tout, tout ce qui n'est pas censé être rediffusé sera présent en tant qu'archive en non répertorié dans une playlist de AMC4 avec un son pas trop écoutable mais quand même. Et pour les AMC4 Team, je continue tout ce qui continue actuellement. Il reste encore 2 épisodes pour la 3e saison de Minecraft vous est offert. J'ai augmenté un petit peu le rythme des vidéos en plus, je sais pas si vous avez remarqué. Donc la 3e saison de Minecraft vous est offert qui va bientôt s'arrêter pour laisser place à la 4e où il y aura probablement des mods et ou plugins et pas mal d'aventures en fait. Plus que de RP, le RP on va finir par s'en foutre complètement, ça n'a vraiment pas apporté que des bonnes choses le RP dans MVO. Donc on va revenir à une formule un peu plus basique mais avec de l'aventure, de l'epicness et des structures et plein de trucs sympas. Donc Ben13 a plein d'idées de mods à nous proposer pour ça. Et voilà, donc pour résumer, bientôt l'arrivée de MVO4, l'arrivée des streams, les petits changements sur la chaîne CLB35, mon nouveau micro, les principaux trucs à savoir et pas mal de trucs sur les commandes blocs et ou Doctor Who à venir sur la chaîne CLB35 notamment et sur la MC4. Quelques publications sur les chaînes communautaires, mon activité sur certains forums, du jeu avec les abonnés grâce au live notamment. Et plein de trucs sympas, une montée en flèche de la chaîne dans le Wistracker qui est passée de 40 à 120 points et qui le passage des 10 000 vues. Donc voilà, pas mal de trucs, pas mal de densité. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue pour ce que j'avais à dire et que vous n'avez pas décroché. Clairement, c'est une vidéo à voir en entier, hein. Donc vous qui êtes encore là pour la fin, je vous remercie grandement. Cette map, c'est celle où je fais mes commandes blocs, si vous voulez savoir. Elle est pas encore très remplie, mais ça va venir. Donc bref, je vais pas m'éterniser. Je commence à dire n'importe quoi. Donc sur ce, je vous dis au revoir. C'était CLB.